Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce lundi, tout un lundi, hein, 2020, vous, vous habitués à toute une année de toute façon, lundi 19 octobre 2020, 21h10, heure du Québec, on apprenait que les cas euh, de coronavirus sont en augmentation, mais épeurant partout dans le monde. On s'en retourne vers des confinements presque généralisés. Il y a eu ce tremblement de terre de 7,5 en Alaska. Plein d'autres nouvelles. Wow! Les mauvaises nouvelles économiques. L'économie, je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça ne va pas bien. Je vous ai dit qu'on était le 19 octobre 2020, 21h11, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. C'est important de comprendre qu'on doit rationaliser tout. Puis qu'on doit arrêter de perdre la tête. Il y a trop de gens qui perdent la tête qui se font des idées avec des, super, des supercheries qui, qui remontent au Moyen Âge, tu sais, ou presque. On est en 2020, la technologie est là pour nous aider, les banques sont là pour nous financer. Si vous avez des idées de projet, profitez-en, il y a une abondance d'argent en ce moment. Maintenant, ça ne va pas bien. C'est sûr, on voit ce qui se passe avec la pandémie. Dans tous les pays, il y a eu une baisse. Du produit intérieur brut aux États-Unis, on va aller le voir, c'est plus de 30 dans un des derniers trimestres, dans le dernier trimestre. C'est partout pareil. Des emplois se sont perdus. Apparemment, on est déjà à plus d'un demi-milliard d'emplois perdus. Un demi-milliard d'emplois perdus. Demi perdu. Si tu regardes aux États-Unis, parce que moi, naturellement, je suis en Amérique, je suis au Québec, on a un bon soutien encore financier, un bon tissu social, un bon filet social ici au Québec. Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral, une chance qu'on est au Canada, soutient euh, les Canadiens avec une prime hein, de 500 dollars par personne. Donc, si t'es deux qui travaillaient dans le couple, bien, tu as 1 000 par semaine. Ça t'aide à passer à travers. C'est pas la fin du monde, c'est n'est pas euh, Byzance, mais <laughs> si tu compares ça aux États-Unis où il n'y a rien, en Europe, je ne sais pas comment vous êtes, de quoi a l'air la situation. En France, ça n'a l'air quand même pas si mal. Le gouvernement a l'air là aussi pour euh, s'occuper de son monde. Mais si tu regardes d'autres pays européens, waouh! Puis là, on ne parle même pas des autres pays où, en Amérique centrale, euh, en Afrique, en, en Asie, au Moyen-Orient, où peut-être que les gouvernements soutiennent, mais presque pas, les citoyens. Il y a une misère incroyable. Aux États-Unis, les files d'attente devant les banques alimentaires. C'est hallucinant le nombre qui, de gens qui vivent dans la rue qui ont été évincés de leur appartement parce qu'ils n'ont pas été capables de payer leurs hypothèques ou leurs loyers, c'est grandissant. Tu as l'impression que des villes qui se forment dans des parcs, sur des trottoirs, sur des plages. Le gouvernement a complètement abandonné ses citoyens dans une guerre politique en pleine campagne électorale. Les faillites aux États-Unis se compte par dizaines à la minute. En Europe, je ne sais pas comment c'est. Aussi, au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de faillites. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre que économiquement, c'est certain que ça ne va pas bien, mais comparativement à la Grande Dépression de 29-30, où les gouvernements n'étaient pas là, étaient absents, aujourd'hui, on a euh, des gouvernements qui soutiennent les populations au moins pour un minimum. Mais aux États-Unis, on voit dans un pays où il n'y a pas de soutien, que la misère, euh, wow, ça commence à ressembler à 29-30. Maintenant, malgré tout ça, ce qui est étonnant, c'est que as le marché boursier, la bourse américaine, en Europe, je ne sais pas comment c'est, mais ça a l'air assez euh, soutenu quand même. Au Canada aussi, malgré le fait que tu es dans la plus grande crise économique de la modernité des dernières 100 ans. Que tu le taux de chômage le plus élevé. Le vrai taux de chômage aux États-Unis, c'est 25, 30 En France, ça doit être à peu près autour de la même chose comme celui-ci aussi. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que le gouvernement, quand il calcule ses statistiques, il calcule ça par rapport à ceux qui cherchent un emploi ou ceux qui sont sur l'assurance emploi, mais aux États-Unis, il y a plein de gens. Mais d'abord, il y a plein de gens qui ont fait des demandes <laughs> d'assurance de, emploi, de chômage de façon historique, t'en as d'autres qui décrochent, t'en as d'autres qui abandonnent, donc il y a plein de gens qui végètent, qui sont même pas dans les statistiques, donc tu pourrais dire qu'un vrai taux de chômage, puis la plupart des gens que tu peux aller écouter, que tu entends un peu partout, les experts hein, en économie sérieux te disent que le taux de chômage réel, c'est autour de 25 Ça fait beaucoup de monde ça. Donc quand tu regardes ça de cette perspective-là, la situation économique pour l'ensemble de la population, ce qu'on appelle le Main Street, la rue principale, le monde de la rue, comparativement à Wall Street. Tu Wall Street, l'économie de Wall Street, l'univers de Wall Street, et tu le Main Street, nous autres, la vraie économie. C'est complètement effondré, c'est complètement à zéro. Wall Street, lui, qui vit dans une bulle en pleine effervescence. C'est vraiment douteux et c'est pas normal. Naturellement, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Depuis déjà le mois d'octobre dernier, ça fait plus d'un an que la banque centrale américaine, la Fed, pompe et pompe et pompe et pompe et pompe, et pompe, et pompe, et pompe de l'argent dans ce qu'on appelle euh, le repo market. On ne rentrera pas là-dedans, c'est compliqué, j'en ai déjà parlé, vous irez voir ce que je disais à propos de ça, mais peut-être que vous savez ce que c'est aussi. Donc, ça veut dire que tu avais des banques, tu as des grandes banques centrales, des banques principales qui reçoivent l'argent de la Fed, puis qui prêtent aux autres en, euh, institutions financières. Puis ces autres institutions financières doivent rembourser. À la fin de la journée, plein d'argent qu'on a emprunté pour faire toutes sortes de transactions. Et là, ces banques-là, qui sont des banques d'investissement, la plupart des hedge funds, souvent douteux, qui font de la spéculation, sont devenus de moins en moins solvables à partir déjà de l'an dernier. Et la FED a vu qu'il y avait un problème parce que les banques prêteuses avaient décidé d'arrêter de prêter à 1 ou 2 avait perdu tellement confiance dans toutes ces hedge funds, banques, euh, petites banques euh, douteuses, qu'elles exigeaient maintenant des taux d'intérêt sur le Repo Market de 7, 8, 9 La Fed était obligée d'intervenir, sinon, ça aurait été déjà, en octobre dernier, un crash spectaculaire. Donc, elle a pompé, pompé. Ce qu'on appelle le quantitative easing, hein, et euh, c'est l'impression d'argent. Pour essayer de stimuler et de sécuriser le marché. Et ça s'est fait jour après jour, on imprimait, on imprimait. Je vous en parlais sur ma chaîne ici, sur l'autre chaîne, des dizaines de milliards par jour. Et ça s'est poursuivi, c'est resté dans l'ombre. Il y a personne qui parlait de ça, ou presque, parce que c'est pas quelque chose qu'on veut vraiment répandre comme nouvelle. Comprends-tu? Ça, c'est important de comprendre ça. Et le fait d'avoir pompé, pompé, pompé de l'argent comme ça, c'est ce qu'il a fait aussi avec des taux d'intérêt très bas parce que, on a vu ce que ça donne hein, en Europe et ici, les taux d'intérêt bas, ça incite les gens à emprunter et emprunter. Tu as plein de gens qui empruntent pour aller, justement, investir à Wall Street ou dans les autres bourses. Et c'est ça qui crée la spéculation, et c'est ça qui crée la frénésie. Et c'est ça qui amène souvent à l'écrasement de l'économie. Dans le crash de 1929, tout le monde jouait à la bourse. Les bouchers, les boulangers, tout le monde. On empruntait de l'argent pour aller jouer à la bourse parce qu'il y avait une frénésie incroyable. Et c'est probablement toujours le pire moment d'aller investir. Moi, je ne suis pas un expert, je donne d'avis. Je ne donne pas d'avis à qui que ce soit, là. Mais toutes les recherches que j'ai faites, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, les gens avisés disent que quand ça monte, ça monte, ça monte, c'est, comme on le voit en ce moment, là, depuis un an ou deux, c'est vraiment pas le temps d'aller investir. Parce que la prochaine étape, c'est justement la chute. Et là, on crée tellement une bulle, on crée tellement une frénésie pour amener justement tout le monde, les petits, à emprunter, emprunter de l'argent à toutes ces banques-là à qui on a donné plein d'argent. Toutes ces banques, et ces fonds d'investissement douteux, on va emprunter, on va emprunter, on a créé une frénésie, tu veux aller tenter ta chance sur la bourse, paf! Qu'est-ce qui arrive après? Ben, tu as vu ce qui est arrivé en 2008, tu as vu ce qui est arrivé en 2000 aussi avec euh, la bulle euh, technologique? Ben, C'est ça. Donc, j'ai essayé de regrouper un peu parce que je suis allé écouter plein de monde, des savants. Moi, je ne suis pas un savant, mais je suis capable de résumer. Pis quand je regarde ce que ces gens-là, surtout en particulier, mettaient tout en perspective, je peux te dire une chose. Hein, maman, mamie, hein, tu sais ce qui s'en vient. C'est un crash. Inévitable. Prédit. Et euh, c'est comme ça. Donc, selon un de ces gars-là que j'ai écouté qui est vraiment, vraiment très compétent, qui c'est vraiment ce dont il parle, il y a trois indices, lui, euh, sur lesquels il, il se réfère, il s'appuie pour nous, nous dire que le, le crash du stock market, c'est plus qu'éminent. Ça pourrait même être avec le tournant de l'élection américaine. On va aller voir ça ensemble. D'abord, un de ces. Euh, Premier indice, c'est le ratio euh, bénéfice ajusté du cycle, ce qu'on appelle l'indice Schiller, PE. Et ça, c'est évalué, c'est utilisé pour évaluer si une action est sous-évaluée ou surévaluée en comparant son prix de marché actuel à son historique de bénéfice historique ajusté en fonction de l'inflation il s'agit d'une variante de, du ratio court-bénéfice le plus populaire et est calculée en divisant le prix actuel d'une action par son gain moyen, en, ajusté en fonction de l'inflation au cours des dix dernières années. Et si tu t'envoies voir ce rapport-là aujourd'hui, on l'a ici, le rapport P.A. Schiller. Tu peux le voir à partir de 1880. On a le Black Tuesday de 1930. Hein? on a vu où il était. Puis apparemment un rapport Schiller, un ratio Schiller en santé, c'est autour de 15, 16, 17. OK, autour d'ici à peu près. En 1929-30 dans le crash, regardez où il était à 30. Ça c'est dans la normale. On a eu le Black Monday, il y avait une petite augmentation, pas si tant pire mais si tu t'en vas en 2000 avec le fameux euh, crash de la bulle technologique, et on était rendu à 45, as vu la chute après? Et là, tu arrives à 2008, l'autre crash, qui est encore au-dessus, beaucoup quand même, hein, il est à, deux, à 25. Ici, on peut le voir ici à peu près à 25, 26. Qu'est-ce qui est arrivé? Paf! Une descente, on est revenu à 15. Et là, qu'est-ce qui arrive depuis ce temps-là? Monter, monter, monter. Aujourd'hui, on est à 31,34. 31,34, ça fait dire euh, au bonhomme que j'ai écouté, le gars que j'ai écouté, si la normale, hein, c'est autour de 15-16, tu es rendu à 31,34. Je vais te dire une chose. Il ne reste pas grand-chose avant de tomber. OK? C'est ça qui est important euh, de faire. Hein? On est à un ratio là, maintenant 31,34. Alors que la normale, c'est 15, 16, 17. Si tu regardes en 29, ce qui est arrivé, hein, on était à 30. Ici, on était monté à 45 dans la fameuse bulle technologique. En 2008, le crash immobilier. Et là, maintenant, on est à 31,34. Wow! Donc, ça, c'est vraiment le fameux indice euh, Schiller, euh, quelque chose qui l'a vraiment... Euh, vraiment bien, bien euh, expliqué, le bonhomme. Et c'est un des indices euh, les plus... Euh, les plus importants dans... La compréhension de ce qui s'en vient. Tu as vu? On le revoit ici. 1928-29, le crash. Hein, le 1er septembre 1929, Black Monday, boum! On est à 32,60. 32 le fameux crash de la bulle technologique en 2000, 42,80. Et là, aujourd'hui, on est à. Euh, 30, ben là, il a redescendu un peu 29,80 au 19 octobre, mais on était tout à l'heure euh, à 31.34. Lundi 19 octobre, aujourd'hui. Vous voyez, il a remonté, on est à 31. Maintenant, il y a un autre indicateur qui est utilisé par euh, ces grands experts que moi je ne suis pas, puis je le répète. C'est juste que c'est important de comprendre, puis ça m'intéresse, comme vous, ça vous intéresse. Pas besoin d'être un expert pour s'intéresser à quelque chose. Hein. L'indicateur Buffett, le marché boursier, est-il surévalué? Donc ça, c'est l'autre indicateur que le bonhomme utilise. Et quand tu regardes l'indicateur du Buffett aussi, Indicator, ça te montre exactement dans le deuxième trimestre, le Buffett Indicator est à 2,27. Dans le crash immobilier en 2007, on était à 1,52. Puis tu as vu ce qui est arrivé tout de suite après. Ça, c'était dans la fameuse bulle. Un petit peu à la bulle, le premier quart du le premier trimestre de 2000. La bulle immobilière, la bulle technologique, le crash. On était à 1,52. 88. Et ça a l'air d'être aussi la moyenne autour de 1 dans un, un indicateur en santé. Regarde ce qu'on est aujourd'hui en ce moment. À 2,27. 2,27. Encore là, c'est ce qui fait dire au bonhomme. Il ne reste pas grand-chose comme manœuvre, sauf celle de tomber. Et il ne faut pas que tu oublies que toute la consommation américaine, toute c'est-à-dire ben c'est un peu comme ça chez vous, puis en France, puis en Europe, puis ici aussi, toute cette économie est basée sur la consommation. Tu as des pertes d'emplois record. Partout, c'est ce qui fait que tu as beaucoup moins de consommation parce que tu as la peur qui est là. Tu as beaucoup d'argent qui est tiré des, de l'économie par la perte de ces emplois-là, les faillites, et ainsi de suite. Je vais dire une chose. Wow. Un autre indicateur qu'il utilise, c'est ce fameux graphique-là ici, encore avec l'indicateur Buffett. Puis il y a un qu'il aime beaucoup, c'est sur la base des évaluations historiques. Pour savoir si, euh, ça, nous avons divisé l'évaluation de marché en cinq zones. Il nous dit-il, euh, ce site-là, Gorufocus, vraiment intéressant. C'est tous des sites. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, c'est hallucinant. Donc, un ratio capitalisation boursière totale par rapport au produit intérieur brut. OK? significativement sous-évalué à plus ou moins 73%. Entre 73% et 93%, ce fameux ratio capitalisation boursière totale, c'est moyennement ou modestement sous-évalué. 93% à 114%, c'est une évaluation juste. 114 à 135, modestement surévalué. Est plus grand que 135, surévalué de manière significative. Aujourd'hui, on est à 181,4. Euh, je ne sais pas, mais c'est plus que de. C'est 50 à peu près 50 plus grand. Que le 135 et plus qui serait surévalué de manière significative. Donc on est à 181,4. Je ne sais pas si ça vous donne une idée, mais wow. Quand tu parles de surévaluation, tu es vraiment dans la surévaluation. Maintenant, un autre indicateur qu'il qu aime bien dans le Buffett Indicator c'est euh, l'équité par rapport aux produits euh, intérieurs brut des euh, corporations. Hein? Leur équité, leur valeur. Le ratio des actions des entreprises au PIB, la lecture est actuellement de 161 contre 124 au trimestre précédent. Okay? Et si tu regardes encore là les années, les autres, ils ne vont pas jusqu'à... 1929, mais si tu regardes la crise technologique, on était à 159 et aujourd'hui, on est à 151,9. Je ne sais pas encore là, mais ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. OK? <laughs> ça n'a pas l'air d'être une bonne nouvelle. Maintenant, une autre donnée, ça vient du Bureau of Economic Analysis des États-Unis. Le pourcentage, hein, le pourcentage réel du produit intérieur brut, tu le vois depuis, selon les premiers quarts, deuxième quart, troisième quart, 2016, 2017, 2018, 2019, des petites augmentations, hein, 2%, 2 d'augmentation, 3, 2%, 3, 2%, whatever, la courbe que ça a eu depuis euh, 2016. Le premier trimestre de 2020, avec ce qu'on peut appeler la pandémie, tu as une baisse. Là, tu plus d'augmentation, baisse de 5%. Puis dans le deuxième trimestre, hein, vous vous rappelez, je vous en avais parlé, la fameuse baisse historique qu'on n'avait jamais vue de 32 ou 33%. Une baisse de 33% de ton produit intérieur brut, je ne sais pas. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. <laughs> Maintenant, tu as la capitalisation pour boursière par rapport aux produits intérieurs brut. Encore là, on regarde 2000. La fameuse dot com bubble, hein, la bulle. La bulle technologique. Et la chute après ça, on est revenu à 0,76 alors qu'on était monté à 1,4. Un petit peu avant la crise immobilière aux États-Unis et dans le monde entier, 1,016. Après ça, on était tombé en avril 2009 à 0,6. Aujourd'hui, 1,76. Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah, aïe. Yeah. Peux-tu imaginer la chute qu'il va avoir après ça? Maintenant, tu as aussi un autre indicateur. Les données de ce graphique sont... Bon, euh, les, euh, un autre indicateur, c'est la même chose à peu près. On regarde la courbe ici. Euh, L'augmentation ici de cette bulle, toujours. Puis on finit avec les dettes. Ça, c'est les dettes... Des entreprises non financières, imagine-toi. Parce que s'il fallait qu'on mette toutes les dettes des entreprises, on ne on pourrait même pas les, les placer dans cette charte-là. De 1950, tu regardes l'évolution de, de la fameuse dette des non les entreprises non financières, des dettes, des, les dettes non financières des entreprises, les titres de créances, responsabilités, ainsi de suite. Regarde ça, montez, monter, montez, montez. Monter. Jusqu'à aujourd'hui. Les entreprises, aujourd'hui, avec surtout la crise actuelle, puis ils avaient déjà commencé à s'endetter, sont endettées jusqu'aux oreilles. Regarde la montée de ça, l'endettement des entreprises. Combiné à toutes les autres données que tu as vues là, 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 ici et là et là. Wow! Combiné! Je vais aller vous chercher cette dernière donnée-là, combinée. Si je peux le trouver assez rapidement, je vais vous le montrer. C'est plus que. Ouh! C'est à donner, même le. <laughs> le tournis. On va terminer avec ça. Laissez-moi juste voir si je peux le trouver avant. Probablement que je peux. On est là au 19. Je vais envoyer ça au 18. Eh oui, je l'ai trouvé. Donc, chers amis, on finit avec la série sur le Sunday. Ça, c'est le chiffre. Je ne sais même pas comment le, le prononcer. 6 trilliards 551 milliards 860... C'est des... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Euh, attendez, je compte-tu bien? Là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13 chiffres. Les dépenses fédérales américaines ont battu le record de l'exercice 2020. Le gouvernement fédéral a établi des records à la fois pour le montant d'argent qu'il a dépensé et le déficit qu'il a enregistré au cours de l'exercice 2020 selon le relevé mensuel du Trésor public publié aujourd'hui. Regarde-moi ça. Waouh. C'est des... Je ne sais même pas comment le prononcer. Euh, si ce serait euh, 872. 000, 550, donc, 6 551 872 millions. Wow! Tout en dépassant ou en dépensant un montant record de 6, presque 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2020, le total des recouvrements fiscaux fédéraux est passé à trop, plus presque 4 milliards en dollars constants de septembre 2020 au cours de l'exercice 2019 à, on était à 3,4 trilliards. Wow. en tout cas, ça donne. <laughs> ça donne mal à la tête. Wow! Aïe, yay, 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 yay. -ya. Donc, ouf, je ne sais pas ce que vous pensez, chers amis, de la situation, mais il ne faut pas paniquer. Il y aura un crash, c'est sûr et certain. Avec tout ce qu'on vient de voir comme indicateur, sans être un expert, là, puis... Mais on peut présumer, si on a vu toutes les chartes, puis tout le passé, la situation actuelle, la situation de chômage, la situation des faillites, la situation de l'endettement. Puis les perspectives, la plupart de ces experts-là nous disent qu'on ne sera pas dans une pseudo-normale d'avant-pandémie avant, avant 2024-2025. Wow! Attends-toi avec le choc de l'élection aux États-Unis et ce qui va arriver par la suite. Ça va être un pays divisé totalement que Pierre ou Jean ou Jacques gagne, tu sais qu'il y a la moitié des gens qui seront probablement insatisfaits. Avec ce qu'on vient de voir, c'est sûr et certain qu'on peut mettre un petit 2 dollars sur le fait que le marché boursier va s'écraser. En plus de tout ce qui est arrivé de tout l'argent qu'on a dû imprimer, puis qu'on imprime depuis le mois d'octobre, un peu partout dans le monde, pour soutenir les fonds d'investissement. Waouh! Je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais quand je t'ai dit les grands changements économiques, financiers, politiques, sociaux étaient pour nous tomber sur la marboulette, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu plus. J'avais envie de vous partager ça et je vous reviens. Probablement demain, c'est un petit peu tard, à moins que d'autres nouvelles catastrophiques se profil à l'horizon, on va se revoir demain.